L'être de Dieu et son Christ. Les volumes de vérité. Vivre avec et selon ses paroles. Davantage de paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Délivrance. Bénis sont ceux qui courent à moi, car ils seront bénis en ma présence. Plus bénis encore sont ceux qui courent à moi, puis obéissent à ma parole, car leur bénédiction est complète et ils sont en paix. Ils connaîtront certainement la délivrance, dit le Seigneur. Faire confiance, obéir et aimer. Fais confiance en t'abandonnant. Obéis sans attente et aime sans condition. Car en cela, tu viendras à vraiment me connaître. Ta foi progressant rapidement vers la perfection, dit le Seigneur. Qui choisissez-vous? Ici est la sagesse. Qui vous choisissez et non pas ce que vous choisissez est la réponse. Car qui vous choisissez définit ce que vous faites. Et qui choisit un autre, et non moi en vérité, a choisi lui-même et a agi selon sa propre volonté, dit le Seigneur Yahushua. La notoriété. La notoriété est une pierre d'achoppement aux pieds des orgueilleux, et la célébrité fait enfler. La fierté précède la chute, et la popularité est éphémère. Vois, un homme célèbre est davantage honoré à sa mort que durant sa vie. Mais en quoi cela lui profite-t-il? Car les modestes hériteront la terre. Le fruit défendu. Si l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de mal, alors la fierté en est l'arbre et la notoriété les branches. La mort sera la récompense de tous ceux qui en mangeront. Oui, les ténèbres sont réservées à tous ceux qui s'abritent sous son ombre. Une évidence. Si la sagesse est illustrée par ses enfants, alors la folie des insensés est évidente et le chemin des méchants est la mort. Mais l'humilité du modeste le cachera au jour de la colère du Seigneur. Le modeste et l'insensé. Le sage est discret et sait qu'en parler, et l'humble est à peine remarqué. En revanche, le fier s'annonce à coups de trompette, et le sort du paresseux est rendu clair par ses plaintes.
La compagne des insensés. Une jalousie injuste est la compagne des insensés. Car celui qui envie s'agrippe à la jalousie, marchant main dans la main avec la convoitise. Marcher dans la parole. Réjouissez-vous dans la sagesse du Seigneur et trouvez de la joie dans sa correction. Car seuls ceux qui ont reçu de l'Esprit de vérité sont capables de voir, et seuls ceux qui aiment la vérité sont capables d'entendre. Mais seuls ceux qui embrassent le Messie pleinement et qui écrivent ces paroles sur leur cœur s'y conformeront. Et la paix, celle que seul le Seigneur peut offrir, sera leur compagne. Étroit est le chemin. Très étroit est le chemin. Pourtant, regarde avec quelle facilité un petit enfant le traverse. Hommes et femmes de ce monde, vous vous dressez trop haut, votre torse est trop large. Perdez donc votre hauteur et inclinez-vous, car vous êtes gonflés d'orgueil. Comme le bétail gras, vous êtes prêts pour la boucherie. Par conséquent, refusez toute cette nourriture avariée donnée aux masses et ne mangez plus de ces plats servis dans les églises des hommes. Mais à la place, prenez part à cette nourriture que je vous donne et soyez satisfaits. Car je vous dis la vérité. Tant que vous n'aurez pas diminué aux yeux du monde et que vous ne serez pas humble à vos propres yeux, vous ne pourrez en aucun cas passer par ce chemin. Car la première récolte sera modeste, très modeste, dit le Seigneur. Embrasser le don. Les jours saints sont les pierres de guet vers le paradis. En comprenant leur sens, vous progresserez rapidement suivant le parcours que j'ai défini. Et quand je les aurai accomplis jusqu'au dernier, le trajet sera complet pour ceux qui ont accepté et reçu, dit le Seigneur Yahushua.